ce trophée, la meilleure astuce, c'est de faire comme je fais, de se mettre sur le jukebox pour bien le protéger là. Le meilleur, c'est que moi, là dans la partie, là, j'étais avec un PNJ et deux mecs que je connaissais pas, mais j'ai eu de la chance, ils aiment bien jouer là. Il y en a un là, il est à droite, là, il protège la fenêtre, il y en a un celui de gauche, et le PNJ, il soutient un peu celui de gauche dessus là. Il fait un peu comme lui, quoi, il protège par là. Et je crois que c'est le meilleur moyen là, pour le faire, de faire comme ça. Il faut bien être disposé, parce que quand vous êtes comme ça, j'ai l'impression que la porte du fond, là, d'habitude, il y a plein de zombies qui rentrent. Et là, il n'y a personne qui arrive. Là. Ils arrivent tous de la gauche, quasiment, j'ai remarqué. Il y en a quelques-uns qui arrivent, mais pas beaucoup. Après, il faut faire attention aux colosses. Là, je sais qu'il y en a un qui va arriver, là, il y en a fait peur. Il y a eu beaucoup de coups dans du poids sur la rue. Faut juste faire attention à eux, essayer de vite les tuer. Et voilà, sinon les zombies, franchement, ça va quoi. Et prenez une bombe artisanale sur vous, ou même deux si vous avez la toule qui donne deux bombes artisanales. Comme ça, si vous êtes débordé même par les zombies, vous envoyez la bombe, ça va les tuer, ils vont partir, ils vont pas frapper le jukebox. Après, vous pouvez mettre des bidons d'essence là, sur les entrées des portes. Voilà, vous les faites exploser, ça va les brûler. Par contre, moi, ce que j'avais fait, j'avais mis un bidon d'essence juste devant le jukebox au cas où ils arrivaient trop. Mais je ne vais pas le faire ça, parce que quand j'ai explosé le bidon d'essence, même que j'étais sur le jukebox, mon perso il était en train de brûler. Alors ça faut pas le faire ça. Si tu as plus de vie, tu meurs. Et je l'ai fait aussi le trophée avec des PNJ. Je crois même avec les PNJ c'était encore plus facile. Et je me suis mis pareil au même endroit. Ils sont restés à côté. Voilà, le meilleur c'est comme lui là, il est en train de faire là. Vous voyez, il est juste à gauche du jukebox. Du coup, quand les zombies arrivent, ils frappent pas le jukebox, ils frappent que lui là, que le mec. Et en même temps, ils protègent le côté droit, et moi je le soutiens quand il y en a un petit peu trop. Voilà, faut juste bien regarder. Voilà, là, je lance la bombe artisanale. Bon, il n'y avait personne, mais bon, comme c'était la fin, je l'ai quand même balancé au cas où. Et voilà, c'est facile. Là, je vais vous montrer la partie où j'étais avec les PNJ, au moins vous voyez, au cas où vous n'avez pas de coéquipiers pour vous aider à faire le trophée. Après, avec les PNJ, franchement, c'était encore plus simple, j'ai l'impression. Et les PNJ, les bots, j'ai l'impression quand tu es trois joueurs et qu'il y a un bot, ben, le bot, je sais pas pourquoi, mais c'est n'importe quoi, il est nul. Mais par contre, quand tu es seul, qu'il y a les trois bots, ils jouent mieux que les gens, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est comme ça ou si c'est juste mon impression, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus forts quand ils sont trois, les bots, que quand il est seul. Quand il est seul, il est toujours par terre. C'est n'importe quoi. Bon, il faut aussi n'importe quoi quand tu meurs. Les bots. Il ne réanime pas, il met 3 heures, et tout, mais bon. Pour retirer et tout, c'est pas un chemin, on dit de vie. Voilà, là je suis avec les bots. Comme je me suis mis là, les bots ils restent juste à côté, à gauche du jukebox. Là ils sont deux. J'ai pas fait grand chose, hein. C'est les bots qu'on peut faire quasiment. Voilà, c'est la fin, j'espère que ça vous a aidé, à la prochaine.